Bonjour à tous, bienvenue à votre chaîne, sur votre chaîne de télévision Réveil TV. C'est bien sur votre émission Réveillez-vous et nous bénissons encore une fois de plus le Seigneur pour la grâce, pour l'opportunité qu'il nous accorde de pouvoir ensemble partager la parole. Comme vous le savez, nous sommes plus que jamais à la veille du retour du Mashiach et nous voulons nous aider, nous édifier, nous encourager afin de mieux préparer le retour du Seigneur. Les temps sont tellement difficiles. Il n'y a vraiment que la grâce du Seigneur pour nous maintenir. Il n'y a vraiment que l'esprit d'Élohim pour nous garder fidèles à lui jusqu'à la fin. Donc ce soir, nous allons partager un tout petit peu. Le partage ne sera pas vraiment long. Et nous allons aussi un tout petit peu prier ensemble si le Seigneur le permet. Donc nous allons sans plus tarder recommander les temps au Seigneur afin qu'il nous assiste, afin qu'il nous conduise par son esprit. Merci Seigneur Yeshua pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour cette émission. Merci pour les frères, les sœurs, toutes les personnes qui nous reçoivent chez elles. Bénis tous et chacun par ta grâce, encourage, fortifie tous ceux et toutes celles qui sont fatigués. Que ton nom soit encore élevé au plus haut point, Seigneur, car tu le mérites. Tout l'honneur, toute la gloire te revient à toi et à toi seul. Donne-nous la force de demeurer dans la vérité. Donne-nous la force de ne pas être influencé par le monde, car nous avons une espérance vivante en toi. Que la gloire te revienne au nom de Yeshua. Amen. Donc, que le Seigneur soit encore béni. Donc, c'est un encouragement. On va partager un tout petit peu sur la sentinelle. On verra qu'est-ce qu'une sentinelle, bibliquement parlant, le rôle de la sentinelle, et on verra ce que le Seigneur attend de nous. Donc, le thème de ce soir, c'est la sentinelle. Sans plus tarder, on va prendre nos Bibles dans Ézéchiel, chapitre 2. Donc, on est dans Ézéchiel chapitre 2. On lira à partir du premier verset. Donc, le thème de ce soir, de notre exhortation, de cet encouragement, c'est la sentinelle. On est dans Ézéchiel le chapitre 2. On lira à partir du premier verset. Ézéchiel chapitre 2, on lira à partir du premier verset. Donc, je vais lire. Il me dit, Fils de l'homme, tiens-toi debout sur tes pieds, et je parlerai avec toi. Et comme il me parlait, l'esprit entra en moi et me fit tenir debout sur mes pieds, et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, Fils de l'homme. Donc on est au verset 3. Il me dit, Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers des nations rebelles qui se sont rebellées contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'à ce jour même. Ce sont des enfants à la face dure et au cœur obstiné. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle Adonai Yahweh, qu'ils écoutent ou qu'ils s'abstiennent d'écouter, car ils sont une maison rebelle, ils sauront du moins qu'il y avait un prophète parmi eux. Verset 6. Mais toi, fils de l'homme, ne les crains pas, ne crains pas leurs paroles, quoique des gens rebelles et dont les langues sont perçantes comme des épines soient avec toi et que tu habites parmi des scorpions. Ne crains pas leurs paroles. Et ne t'effraie pas à cause d'eux, quoi qu'ils soient une maison rebelle. Verset 7. Tu leur prononceras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils s'abstiennent d'écouter, car ils ne sont que rébellion. Verset 8. Mais toi, fils de l'homme, écoute ce que je te dis, et ne sois pas rebelle comme cette maison rebelle. Ouvre ta bouche et mange ce que je vais te donner. Verset 9. Alors je regardais, et voici, une main fut envoyée vers moi, et voici, elle avait un livre en rouleau. Verset 10.
et elle le déploya devant moi. Elle le déploya devant moi. Il était écrit devant et derrière. Il y avait écrit des chants funèbres, des gémissements et des lamentations. On va enlever le passage un instant et on reviendra tout à l'heure. Donc ici, ce passage nous relate l'échange, la conversation qu'Ézéchiel a eu avec Yeshua, avec Yahweh, avec Elohim. Et on voit que le Seigneur confie à Ézéchiel une mission, celle de parler à son peuple, celle de parler au peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que comme on l'a lu, le Seigneur va dire que ce peuple, je t'envoie vers un peuple rebelle, vers un peuple au cou raide. Donc ici, on apprend que Ézéchiel avait été établi comme sentinelle pour la, sur la maison d'Israël, sur la nation israélite. Et quel était le rôle d'Ézéchiel en ce temps? Le rôle d'Ézéchiel était de rappeler à la maison d'Israël son péché. Le rôle d'Ézéchiel était de rappeler à la maison d'Israël que si elle continuait dans son péché, elle devait être jugée par le Seigneur. La mission d'Ézéchiel ici était aussi d'intercéder, on va le voir au fur et à mesure, de prier en faveur de la nation pour qu'elle saisisse la grâce du Seigneur. Et comment la nation israélite est-elle décrite ici? Elle est décrite comme une nation rebelle, comme une nation impie, comme une nation qui s'est éloignée du Seigneur. Et quand je méditais ce passage il y a quelques jours, le Seigneur me parlait de la même manière de la nation gabonaise, qui aujourd'hui peut être comparée à la nation israélite, qui s'est éloignée du Seigneur, qui a accepté, n'est-ce pas, de faire rentrer de faux Elohim, qui a accepté de signer des alliances, des pactes avec des divinités comme la sirène des eaux, avec des divinités comme la franc-maçonnerie, comme la rose-croix, comme l'occultisme, tout ce que vous voulez. La nation gabonaise s'est prostituée comme la nation israélite. Elle s'est prostituée de faux Elohim. Alors qu'au départ, la nation gabonaise est une nation que le Seigneur a choisie. Est une nation, n'est-ce pas, sur laquelle Elohim a décidé de faire résider son nom. Parce que comme on peut le voir sur la carte, n'est-ce pas, de l'Afrique, le Gabon est placé plus ou moins au centre. Et un peu placé comme, la, comme une gâchette. Et beaucoup de serviteurs d'Elohim qui sont passés ici, tel Osborne à l'époque, Maurice Cerula à l'époque, et bien d'autres, n'est-ce pas, ont prophétisé cette nation, que cette nation devait être le centre spirituel du réveil en Afrique. Et beaucoup de serviteurs du Seigneur sont arrivés par la suite, ils ont dit que cette nation, n'est-ce pas, de cette nation partirait le réveil de beaucoup de nations, même en Occident. Mais qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? On observe que cette nation s'est éloignée du Seigneur. On observe que cette nation, n'est-ce pas, a accepté de se prostituer avec des faux Elohim. De se prostituer, n'est-ce pas, avec des Elohim qui n'ont rien à voir avec la parole. Dans la vie, on voit que cette nation a accepté volontairement de blesser le cœur du Seigneur. On voit que cette nation a accepté volontairement, n'est-ce pas, de choisir l'homosexualité, de choisir la prostitution, de choisir le lesbianisme, de choisir la zoophilie et de mettre de côté l'Elohim qu'il a créé, l'Elohim qui a fait de cette nation ce qu'elle a été par le passé. Et en tant que sentinelle, on le verra au fur et à mesure. Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi en tant que sentinelle? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Est-ce qu'il attend qu'on reste dans nos maisons à murmurer, à critiquer? Non! Premièrement, le Seigneur veut qu'on fléchisse le genou pour la nation. Deuxièmement, le Seigneur veut qu'on parle clairement, qu'on dénonce clairement les œuvres des ténèbres. On voit actuellement ce qui se passe avec la dépénalisation de l'homosexualité, par exemple. En tant que sentinelle, on ne peut pas rester indifférent. On ne peut pas simplement s'arrêter, n'est-ce pas, à mettre des messages sur nos statuts. Qui lit nos statuts? Ce sont nos contacts. Donc on voit que les personnes cibles même n'arrivent pas à recevoir le message que le Seigneur a donné pour cette nation. Pourquoi? Parce que les sentinelles que nous sommes tétanisés. On a peur de faire la prison, on a peur, n'est-ce pas, de la mort, on a peur du retour. Alors qu'on voit qu'Ézéchiel, le Seigneur dit à Ézéchiel que je te reviens une nation rebelle. Et qu'il devait donner à Ézéchiel un front dur. Il allait affermir son front pour affronter, n'est-ce pas, toutes les oppositions qui allaient venir. Je suis venu dire à toutes les personnes qui nous suivent, le Seigneur t'établit comme sentinelle
sur ta famille. Le Seigneur t'allume comme sentinelle sur ta nation. Nous refusons, ne pouvons pas accepter que cette nation soit vendue à Mami Wata. Nous refusons, ne pouvons pas accepter que cette nation soit vendue à l'homosexualité. Nous refusons que cette nation soit vendue à la pédophilie, soit vendue à la corruption, à la compromission. Nous refusons parce que le Seigneur a établi tous les chrétiens de cette nation comme des sentinelles. Les sentinelles, c'est qui? C'est les personnes qui sont en contact avec le Seigneur. Les sentinelles, c'est qui? C'est les personnes qui reçoivent les directives du Seigneur et qui viennent annoncer les oracles du Seigneur. Tous les chrétiens sont considérés dans une bonne mesure comme étant des sentinelles. Et le but de la sentinelle, c'est quoi? C'est d'annoncer ce que le Seigneur a à dire. C'est de veiller. Une sentinelle, pour définition simple, une sentinelle, c'est un soldat qui fait le guet et qui protège le lieu, qui protège un lieu. Donc on dit qu'une sentinelle, c'est un soldat. Et Paul dit clairement qu'il nous a enrôlés dans l'armée de Yahweh. On a tous été enrôlés dans l'armée du Seigneur. On a donc une sentinelle, c'est un soldat qui fait le guet. Pourquoi fait-il le guet? Il fait le guet, n'est-ce pas, parce que des ennemis peuvent rentrer. Des sentinelles étaient souvent mis, ils restaient sur des tours hautes. Pourquoi? Parce que depuis la tour où ils étaient, n'est-ce pas, ils pouvaient apercevoir à distance l'arrivée des ennemis. Ils pouvaient avertir au peuple. Ils pouvaient avertir l'armée, leur armée, pour se préparer. Et en esprit, le Seigneur établit comme ces sentinelles. Nous sommes censés apercevoir au loin ce qui arrive sur la nation. Et là, qu'est-ce qu'on voit arriver sur la nation? On voit arriver sur la nation le jugement du Seigneur. On voit arriver sur la nation la colère du Seigneur à cause de tout le péché, tout le mal que la nation est en train de faire. En commençant par qui? En commençant par ceux qui sont à la tête. En commençant par les autorités politiques. En suivant par l'Église. Parce que la politique, les politiciens ont échoué, l'Église aussi a échoué. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On voit la colère du Seigneur arriver sur la nation. On voit le jugement du Seigneur arriver. Et on veut dire à la population gabonaise de revenir à son Créateur. Donc la sentinelle restait sur la tour. Elle apercevait à distance ce qui arrivait, l'ennemi. Elle pouvait avertir. Et à distance, c'est ce qu'on aperçoit aussi. On aperçoit de plus en plus que le pays était vendu. Le pays était complètement sacrifié. Aujourd'hui, l'Elohim du Gabon, c'est la politique. Tout est centré sur la politique. Mais la politique ne peut rien changer. Celui qui a reçu le mandat, l'autorité de changer les cœurs et les vies, de délivrer les hommes de la puissance du péché, c'est notre Seigneur et Sauveur Yeshua par sa mort à la croix. Nous venons dire que nous n'autorisons pas, nous n'acceptons pas la dépénalisation de l'homosexualité. Nous voulons le dire clairement. Nous voulons prendre position pour la vérité. C'est ça le rôle des sentinelles. Nous refusons d'être tétanisés. Nous refusons d'avoir peur des retours de l'ennemi. Parce que nous sommes plus que vainqueurs en Yeshua. Et on va le voir au fur et à mesure. Le Seigneur a clairement dit à Ézéchiel que si je te demande de dire à la nation d'abandonner son péché, si tu ne le fais pas, le sang de la nation retombe sur toi. Nous refusons qu'en tant qu'église, le sang des Gabonais retombe sur nous. Nous refusons qu'en tant qu'église, la colère du Seigneur s'abatte sur la nation et que le Seigneur nous demande des comptes. Nous voulons être purs du sang de la nation gabonaise. Parce que la nation gabonaise en train de dévier, mais sérieusement. Et nous voulons dire haut et fort que nos autorités, ceux qui gouvernent et qui sont le pays, sont en train de dévier plus que jamais. Ils sont en train de dévier plus que jamais. Nous voulons le dire haut et fort. Et nous voulons interpeller toutes les familles gabonaises. Nous voulons interpeller l'église du Gabon, conçue de tous les véritables enfants du Seigneur, à revenir à la parole, à revenir au Seigneur. Nous voulons interpeller clairement tous ceux qui gouvernent et qui dirigent. On veut clairement vous dire de la part du Seigneur que vous avez, n'est-ce pas, laissé entrer tellement de saleté dans le pays et que le Seigneur vous demandera des comptes pour cela. On veut le dire clairement. On veut dire à l'église du Gabon que l'église, tu es sorti de ton rôle, de ta position. Tu n'es plus à ton poste. Tu es quitté de ton poste. Tu es tombé dans la distraction de l'oisiveté. On veut le dire clairement à l'église du Gabon. Le péché est rentré dans toi. N'est-ce pas? Tu as fait de fausses alliances. Le Seigneur t'appelle à revenir à lui. On peut remettre le passage sur l'écran, s'il vous plaît. On peut remettre le passage d'Ézéchiel chapitre 2. Donc, on va lire, on va beaucoup rester sur le passage. Ézéchiel chapitre 2. On va repartir au premier verset. On ne sera pas très long. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi debout sur tes pieds et je parlerai avec toi.
Donc on a vu que la sentinelle est une personne qui reçoit les directives de la part du Seigneur et qui les lit. Tous les chrétiens sont considérés comme étant des sentinelles. Verset 2. Et comme il me parlait, l'Esprit entra en moi et me fit tenir debout sur mes pieds et j'entendis celui qui me parlait. Verset 3. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers les nations rebelles. Donc la nation israélite, tout comme la nation gabonaise, ont été devenues une nation rebelle, qui se sont rebellées contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'à ce jour même, comme la nation gabonaise ne fait qu'accumuler péché sur péché. Verset 4. Ce sont des enfants à la face dure et au cœur obstiné. On peut encore lever le passage un instant, s'il vous plaît, les frères. Et on va rebasculer. Il dit que la nation israélite est une nation qui a un cœur obstiné. Tout comme la nation gabonaise. Tout comme les autorités gabonaises qui s'obstinent. Malgré que la population dit qu'elle n'est pas d'accord, elle s'obstine quand même à dépénaliser l'homosexualité. Elle s'obstine quand même à passer le temps à modifier la constitution. Elle s'obstine, n'est-ce pas, à continuer à écraser, à piller le pays, à piller la nation. Malgré toutes les interpellations que le Seigneur peut donner, ce cœur des autorités sont obstinés. Mais on verra qu'est-ce qui est arrivé à la nation israélite. Et c'est ce qui risque d'arriver dans très peu de temps à la nation gabonaise. Parce qu'elle est obstinée. Elle bouche les oreilles aux interpellations du Seigneur. Elle bouche les yeux aux interpellations du Seigneur. Elle se livre à quoi? Elle se livre à l'homosexualité, au lesbianisme. Elle se livre, n'est-ce pas, de pratiques occultes, mystiques, à la franc-maçonnerie, à la rose-croix. La nation s'est complètement prostituée. On a vendu le pays à Mami Wata. Et aujourd'hui, pour travailler, il faut donner son derrière. C'est ça la nation aujourd'hui. Une nation qui s'obstine, qui bouche ses oreilles volontairement, qui ne veut pas écouter les interpellations du Seigneur. On va remettre le passage sur l'écran, frère. Donc, la nation israélite est une nation au cœur obstiné. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle Adonai Yahweh. Qu'ils écoutent ou qu'ils s'abstiennent d'écouter. Car ils sont une maison rebelle, ils sauront du moins qu'il y avait un prophète parmi eux. On va encore lever le passage. Donc ici, on va dire qu'ils écoutent ou qu'ils s'abstiennent d'écouter, parce que c'est une nation rebelle, ils sauront. À l'époque, il y avait un prophète, mais aujourd'hui, on ne va pas le dire. Aujourd'hui, on va simplement dire qu'ils sauront que Yahweh Elohim, Yeshua qui est mort à la croix, est l'Elohim du Gabon. Tous les politiciens, toute la nation toute entière, je vous assure, saura que le pays qu'on appelle Gabon appartient à Yeshua. Ils le sauront. Parce que le Seigneur mettra fin à ce chaos-là. Le Seigneur mettra fin à toute cette diversion. Donc il dit qu'ils écoutent et qu'ils n'écoutent pas. Parce que justement, c'est une nation rebelle. Comme nos hommes politiques, comme la nation actuellement qui ne veut plus écouter ce que le Seigneur dit. C'est une nation obstinée. Le Seigneur dit quand même que la nation écoute ou qu'elle continue dans la désobéissance, toi parle. Pourquoi? Parce que le Seigneur, les jugements du Seigneur vont arriver. Et je vous assure, les jugements du Seigneur sont en train d'arriver sur la nation. Il reste deux choses au pays qu'on appelle le Gabon. Deux choses. Où l'Église se lève véritablement, se répand pour la nation, n'est-ce pas? Les autorités aussi reviennent au Seigneur. Et la nation vivra un réveil sans précédent, où la nation continuera à ne pas écouter le Seigneur et sa colère va s'abattre. Mais nous ne voulons pas que la colère du Seigneur s'abatte sur la nation. Nous ne voulons pas de cela. Nous ne voulons pas de guerre civile dans le pays. Nous ne voulons pas, n'est-ce pas, que le Seigneur juge et frappe la nation. Nous ne voulons pas de cela. C'est pourquoi nous voulons interpeller encore. Interpeller chaque chrétien. Interpeller chaque citoyen de ce pays. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de politiciens. Chaque Gabonais est responsable du chaos que le pays vit, chacun à son niveau. C'est pourquoi nous voulons interpeller chaque Gabonais, chaque résident gabonais. Tous ensemble, nous devons revenir au Seigneur Yeshua. Nous, membres de l'Église, nous avons aussi échoué. Nous devons revenir au Seigneur Yeshua. Nous avons échoué pourquoi? Parce que nous avons accepté tellement de fausses doctrines. Aujourd'hui, n'est-ce pas, les pasteurs, les soi-disant bergers se sont livrés à tellement de pratiques. On a tous échoué. Et nous voulons le reconnaître devant le Seigneur. Nous voulons nous repentir et revenir au Seigneur pour que une onction de repentance soit répandue. Car nous ne voulons pas de sa colère. Qui est sentinelle? Tous les chrétiens sont des sentinelles. C'est quoi le rôle de la sentinelle? C'est d'avertir. C'est quoi le rôle de la sentinelle? C'est d'être à son poste,
afin de recevoir les directives du Seigneur. Ce que le roi de la santé, c'est de veiller. Et nous voulons veiller sur notre nation. Nous n'avons pas d'eux, nous sommes Gabonais. Et nous voulons veiller sur la nation. Nous ne voulons pas simplement dans nos maisons nous arrêter à parler. Parce que ce qui se fait actuellement est grave. Même si certains veulent passer à la télévision et dire que la dépénalisation, ce n'est pas la légalisation. Moi, c'est qu'il y a un début. On commence par dépénaliser, après on légalise. Et puis après, on parlera de mariage pour tous. Et puis après, on permettra à deux hommes, à deux femmes d'adopter les enfants. Quel chaos! Et quand on voit la génération qui arrive, la génération de nos enfants se dit, quel Gabon, n'est-ce pas? Quel Gabon nos enfants retrouveront demain? Un Gabon où, n'est-ce pas? On va leur dire que deux hommes peuvent adopter un enfant. Alors que le Seigneur est clair, il a créé Adam et Ève. Adam et Chava. Il a créé l'homme et la femme, le mâle et la femelle. Il n'a pas créé homme et homme, femme et femme. Le Seigneur ne s'est pas trompé. Nous refusons d'accepter cela. Nous n'avons rien contre les homosexuels, mais nous avons toute notre rage, notre haine, pas notre haine, nous avons toute notre rage contre l'homosexualité. Le Seigneur a créé l'homme et la femme. C'est ça le mariage, c'est ça la famille, le père, la mère et les enfants. Il n'a pas créé de famille monoparentale, il n'a pas créé de famille homosexuelle ou de famille lesbienne. Nous refusons cela, nous ne sommes pas d'accord avec cela. Et dans Lévitique 18, le Seigneur était clair. Qu'un homme ne peut pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Le Seigneur dit que l'homosexualité est une abomination. Nous voulons le dire clairement. L'homosexualité est une abomination. Le lesbianisme est une abomination. On va repartir sur le passage, frère, s'il vous plaît. On va faire fils. Mais toi, fils de l'homme, ne les crains pas. Oui, nous ne voulons pas craindre le retour. Il dit, mais toi, fils d'homme, ne les crains pas. Ne crains pas leurs paroles. On ne veut pas craindre cela. Quoique des gens rebelles et dont les langues sont perçantes, comme des épines, soient avec toi et que tu habites parmi des scorpions. Oui, oui. Ne crains pas leurs paroles, ne t'effraie pas à cause d'eux, quoi qu'ils soient une maison rebelle. On va encore lever le passage un instant. Le Seigneur est clair. Il nous demande de ne pas craindre ces personnes. Nous refusons d'avoir peur d'eux. Nous refusons de les craindre. Qu'on fasse la prison, qu'on nous tue. On veut être sauvé, on va au ciel. On refuse, n'est-ce pas, de se taire. On refuse d'accepter de voir le chaos de la nation, de ne pas parler. On veut parler. Au risque de perdre nos vies, on va parler par la puissance de l'Esprit du Seigneur Yeshua. Tant qu'il donnera le mandat, l'autorité de le faire, on parlera. Ça, c'est clair. Parce que le Seigneur nous encourage à le faire. Nous demandons de ne pas prendre part aux œuvres de ténèbres, mais plutôt de les dénoncer, de les condamner. Toi, chrétien qui nous suit, qui nous regarde actuellement, on veut t'encourager à ne pas te taire face à la dérive que la nation vit. Parle! Dénonce les œuvres de ténèbres. Nous ne dénonçons pas les hommes, nous dénonçons un système. Nous ne dénonçons pas des personnes, nous dénonçons, n'est-ce pas, le système que Satan essaie d'introduire dans le pays. Parce que nous ne voyons pas aujourd'hui, voyons demain. Voyons demain. Voyons demain. Donc le Seigneur nous encourage à ne pas craindre ce peuple, à ne pas craindre toutes les bonnes qui peuvent nous influencer. Nous refusons d'avoir peur. Nous refusons d'être des lâches. Parce que la parole était claire dans Apocalypse 22. Il a dit dehors les chiens, dehors les lâches. Nous refusons d'être des lâches. Nous avons l'esprit de la victoire en nous. Nous avons l'esprit du Machia. Et celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous refusons de craindre Satan. Nous refusons de craindre le péché. Nous refusons de craindre les hommes qui ont un souffle de vie. Dans Matthieu 10, le Seigneur a été clair. Il a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Mais il m'a aussi dit quelque part, ne les craignez pas, n'est-ce pas, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer la chair, qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas envoyer les âmes dans la gêne. On doit craindre Elohim, Yeshua. Parce que c'est lui qui peut décider de nous envoyer dans le lac ardent de feu de soufre ou au paradis. On refuse de craindre un homme qui peut nous arracher le souffle de vie. Si on nous arrache le souffle de vie à cause de l'évangile, à cause de la vérité, bel et bien, on va se reposer au ciel. Et en fait, on va encourager les sentinelles à se réveiller, à se révolter. Tous les chrétiens sont des sentinelles. On veut encourager tous les sentinelles hommes, toutes les sentinelles femme aussi, à se réveiller, à se révolter. Être à son poste, c'est quoi? C'est veiller premièrement dans la prière. Être à son poste, c'est quoi? C'est veiller, être au pied du Seigneur afin d'écouter les directives du Seigneur. On veut des sentinelles qui sont à leur poste. On refuse de quitter notre poste. On refuse, n'est-ce pas, de fermer nos bouches. On veut parler. Parce que les sentinelles sont des voix. La voix de celui qui crie. Comme Jean-Baptiste, comme Yohanan le Baptiste. Les sentinelles sont des voix qui crient, qui annoncent les oracles du Seigneur. Et l'église d'Elohim est une église prophétique. L'église d'Elohim, tous les chrétiens sont des potentiels prophètes. Parce qu'ils sont des bouches du Seigneur qui peuvent annoncer les oracles du Seigneur. Ce n'est pas réservé qu'aux prophètes, aux apôtres, aux docteurs. Oui, nous sommes tous en tant qu'enfants du Seigneur. Nous sommes tous en tant que chrétiens disciples. Nous sommes des bouches.
de voix. Alors dénonçons le péché. Alors dénonçons les œuvres des ténèbres en tant que sentinelles. C'est ça le but de cet encouragement. Que les sentinelles se réveillent dans la prière. Que les sentinelles se réveillent dans l'intercession. Que les sentinelles sortent du sommeil. Sortent de la peur. On refuse d'être tétanisé. On refuse d'être tétanisé. On va remettre le passage un instant. On finit bientôt. On va prier avant de terminer. Verset 7. Tu leur prononceras mes paroles. Qu'ils écoutent ou qu'ils s'abstiennent d'écouter. Car ils ne sont que rébellions. Verset 8. Mais toi, fils de l'homme, écoute ce que je te dis. Et ne sois pas rebelle comme cette maison rebelle. Ouvre ta bouche et mange ce que je vais te donner. Alors je regardais, voici une main fut envoyée vers moi. Et voici, elle avait un livre en rouleau. Et elle le déploie devant moi. Il était écrit devant et derrière. On va voir quelque chose tout à l'heure que le Seigneur me disait, me donnait pour la nation claire. Il y était écrit des chants funèbres, des gémissements et des lamentations. On va enlever le passage encore un instant. Sur le rouleau, n'est-ce pas, que le Seigneur a donné à Ézéchiel, était écrit des chants funèbres. Les chants funèbres nous parlent de quoi? Les chants de funérailles. Et ce qui risque d'arriver sur la nation, les chants de funérailles. Ces chants de funérailles nous parlent de quoi? Du jugement du Seigneur. Il a parlé des chants de funérailles. Il a parlé des lamentations, des gémissements. Pourquoi des gémissements? Parce que le Seigneur va tellement resserrer les choses que ça va tellement devenir difficile pour s'en sortir et pour vivre. Alors il y aura des gémissements partout. Les familles connaîtront des gémissements. Il y aura des lamentations partout. Il y aura des chants funèbres partout dans le pays. Si la nation gabonaise ne se répand pas, c'est ce qui est en train d'arriver. Des chants funèbres. On va pleurer tous. On va crier. Ça va être difficile. C'est pourquoi on va taper nos autorités. On va taper l'église. Revenons au Seigneur. On va taper les familles gabonaises à se repentir, à pleurer sur nos péchés. Il dit, mon peuple, ceux qui est invoqué, mon nom s'humilie, prie, cherche ma face. Je l'invoquerai des cieux. Oui, c'est dans le nom du peuple d'Israël. Oui, mais on peut aussi prendre cette prophétie pour nous. On peut la faire nôtre. Se repentir comme dans Daniel 9. Où le Seigneur a pleuré sur son pays. Il a pleuré sur sa nation. Nous voulons pleurer sur la nation. Parce que ça ne va vraiment pas. Ça ne va pas. On veut prier pour que le Seigneur change les choses. On veut prier pour ça. On veut prier parce que nos familles aussi sont concernées par toutes ces choses. Si nous, chrétiens, disciples, le Seigneur nous gardera de sa colère. Mais au moins nos familles, nos parents qui sont convertis. Alors on refuse la colère du Seigneur dans la nation. Mais la seule option qui nous reste, c'est la repentance. Donc si ce crier... Sur ce livre, il y avait écrit des chants funèbres, des chants de funérailles. Il y avait quoi? Des gémissements, il y avait quoi? Des lamentations. Nous ne voulons pas vivre cela. Vous pensez qu'on est mieux que le Congo RD, que la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Toutes ces nations qui ont vécu des guerres civiles, des guerres du retour d'année ne sont pas mieux. C'est la grâce du Seigneur que ce pays. Alors ne bafouons pas la grâce du Seigneur. Nous ne disons pas que nous sommes mieux que les autres. Que toutes ces nations, il y a des tsunamis, des tremblements de terre. Oui, le Gabon est tellement baigné de l'eau et de l'océan, tout ce que vous voulez, de l'eau et de mers, des rivières, de tout ce qu'on veut. Oui, cela peut se déferler sur toute la nation. On peut vivre ce que les autres nations vivent. Les eaux peuvent dépasser les limites, frapper toute la nation, envahir nous inonder totalement. Oui, le Seigneur peut le faire s'il le veut. Mais on ne veut pas que ces choses arrivent. On ne veut pas que la condition s'abatte sur la nation. Alors revenons au Seigneur, que je revienne au Seigneur, que tous les chrétiens, qu'on revienne au Seigneur, que l'Église revienne à son poste dans la prière, dans l'intercession, dans la sanctification. Que les chrétiens se lèvent, annoncent les actes du Seigneur. On refuse de parler que dans nos maisons. On refuse que de poser nos statuts, que ceux nos contacts voient, que pas les cibles voient. Les cibles, c'est les autorités. Les cibles, c'est l'Église, c'est les chrétiens qui sont un peu partout. On veut s'adresser directement à eux, par tous les canaux que le Seigneur permet pour dire qu'on doit revenir au Seigneur. Chacun doit se reconnaître. On fait tout cela où on a chuté. On doit revenir à Elohim, l'Elohim véritable. On va remettre le passage un instant, finir dans quelques minutes. On va dans Ézéchiel chapitre 3. On défend juste. Puis il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouveras. Mange ce rouleau et va parler à la maison d'Israël. J'ouvris donc ma bouche et il me fit manger ce rouleau. Verset 3. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai, il fut doux dans ma bouche comme du miel. Verset 4. Puis il me dit, fils de l'homme, lève-toi et va vers la maison d'Israël et prononce-leur mes paroles. Verset 5. Car tu n'es pas envoyé vers un peuple au langage inconnu ou à la langue barbare, fais vers la maison d'Israël. Verset 6. Non. Tu n'es pas vers beaucoup de peuples ayant un langage inconnu ou une langue barbare dont tu ne puisses comprendre les paroles. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Verset 7.
Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'ils ne veulent pas m'écouter. Oui, c'est ce que le pays fait actuellement. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur obstiné, comme on l'a déjà vu, verset 8. Voici, j'endurcirai ta face contre leur face. Et j'endurcirai ton front contre leur front. Et j'ai rendu ton front semblable à un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains donc pas et ne t'effraie pas à cause d'eux, quoi qu'ils soient une nation, une maison rebelle. On va revenir sur le verset 8. Voici, j'endurcirai ta face contre leur face, et j'endurcirai ton front contre leur front. Verset 9. Et j'ai rendu ton front semblable à un diamant plus dur que le roc. On va enlever le passage encore un instant. Le Seigneur dit à l'église du Gabon qu'il a endurci notre face, qu'il a rendu semblable à un diamant, que notre face est plus dure que le roc. C'est pour nous demander d'être encouragés, de ne pas avoir peur. Toutes les sentinelles d'Élohim doivent se réveiller, doivent se révolter. Chacun à son niveau doit prêcher l'évangile, doit proclamer la parole du Seigneur, doit proclamer le retour du Seigneur, doit proclamer le jugement du Seigneur qui va arriver si la nation ne se répond pas. Oui, on va dire d'une part que les prophéties bibliques disent qu'on entendra parler des guerres, depuis les guerres, de tellement de catastrophes, de fléaux. Mais est-ce que la Bible nous demande d'être passif? Non. Oui, ces choses doivent arriver. Mais la parole ne demande pas non plus de rester comme ça. Sinon, alors le Seigneur devait nous enlever. S'il permet qu'on soit là, c'est parce qu'il veut qu'on prie pour nos nations. C'est parce qu'il veut qu'on interpelle les hommes et les femmes à revenir à lui, à revenir au Seigneur. Donc, église d'Elohim, tu es une sentinelle. Tu es la sentinelle que le Seigneur établit sur la nation gabonaise. Porte le flambeau. Portons le flambeau dans la prière, dans l'intercession. Mais porte aussi le flambeau en pressant l'évangile, en dénonçant haut et fort les œuvres des ténèbres, parce que le Seigneur revient. Et le Seigneur a endurci notre front. On va remettre le passage sur l'écran pour terminer. Verset 10. Puis mes fils de l'homme, reçois dans ton cœur, écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Verset 11. Va, rends-toi auprès des exilés, auprès des enfants de ton peuple. Tu parleras et qu'ils écoutent ou qu'ils ne fassent rien, tu leur diras ainsi, parle Adonai Yahweh. Verset 12. Puis l'esprit m'enleva et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tremblement disant, béni soit la gloire de Yahweh du lieu de sa demeure. Verset 13. Et j'entendis le bruit des êtres vivants qui s'en touchaient les uns les autres et le bruit des roues auprès d'eux et le bruit d'un grand tremblement. Verset 14. L'esprit me prit et me transporta. J'allais l'esprit rempli d'amertume et de colère, mais la main de Yahweh me fortifia. Verset 15. J'arrivais à Tel Abib, chez les exilés qui habitaient près du fleuve Kébar, là où ils habitaient. Je restais là 7 jours, stupéfait au milieu de verset 16. Et au bout des 7 jours, la parole de Yahweh vint à moi en disant, fils de l'homme, je t'ai donné comme sentinelle à la maison d'Israël. Tu écouteras donc la parole de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Verset 18. Quand je te dirai, voilà, c'est la partie qui nous intéresse pour terminer. Verset 18. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, et si tu ne parles pas pour l'avertir de se détourner de sa mauvaise voie, afin de lui sauver la vie, ce méchant-là mourra dans son iniquité, mais je redemanderai son sang de ta main. Verset 19. Et si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, mais toi, tu sauveras ton âme. Verset 20, pour finir. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'injustice, je mettrai une pierre d'achoppement devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'auras pas averti, il mourra dans son péché et l'homme ne se souviendra plus de la justice qu'il avait pratiquée. Mais je redemanderai son sang de ta main. Verset 21. Et si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il aura été averti et toi, tu sauveras ton âme. On peut enlever le passage. Donc on a vu ici, on voit ici pour terminer, le Seigneur va dire clairement à Ézéchiel, comme il le dit clairement aux sentinelles du Gabon, à l'église du Gabon, si tu avertis le méchant d'abandonner sa voix et qu'il se soumette, qu'il obéisse, qu'il écoute, le méchant sera sauvé. Tout comme si la nation gabonaise aujourd'hui se répand, elle sera sauvée. Et d'autre part, il va dire, si je te demande de dire à la nation qu'elle mourra, ou que mes jugements s'abattront sur elle, si tu ne le fais pas, ton sang te sera redemandé. C'est pourquoi nous ne voulons pas que le sang de la nation nous soit redemandé en tant qu'église.
en tant que sentinelle. C'est pourquoi nous voulons avertir haut et fort l'Église du Gabon, les familles gabonaises, les autorités gabonaises, toutes les personnes qui vivent dans la nation. Répondons-nous, revenons au Seigneur, car sa grâce est encore disponible. Habacuc chapitre 2, n'est-ce pas, à partir du premier verset, le Seigneur va demander à Habacuc d'être à son poste. Si on peut lire ce passage juste pour terminer, Habacuc 2, à partir du premier verset, juste pour terminer, et on va prier quelques minutes. Nous voulons prier pour la nation, pour que le Seigneur étende sa main. Nous voulons prier pour la nation, pour que le Seigneur pardonne nos péchés, pardonne nos fautes. Habacuc chapitre 2, à partir du premier verset, je me tiendrai à mon poste de garde. Je resterai debout sur le rempart. Je veillerai pour voir ce qu'il me dira et ce que je répliquerai au sujet de mes reproches. Alors je vais relire. Je me tiendrai à mon poste de garde. La sentinelle doit se tenir à son poste de garde. Son poste de garde, c'est d'abord au pied du Seigneur. Je resterai debout sur le rempart. Rester debout sur le rempart, c'est veiller dans la prière, mais c'est aussi, n'est-ce pas, annoncer les oracles du Seigneur. Je verrai pour voir ce qu'il me dira et ce que je répliquerai au sujet de mes reproches. Il dit, je verrai pour voir ce qu'il me dira. On peut enlever le passage. Nous devons être au pied du Seigneur. On peut enlever le passage. Nous devons être au pied du Seigneur pour écouter ce qu'il a à nous dire pour nos vies, pour nos familles, pour la nation. Pour terminer, on va juste prier. Depuis chez vous, on va prier ensemble pour que le Seigneur réponde sur la nation une onction de repentance, de supplication, qu'il ait pitié de nous. Si les frères peuvent remettre le passage juste un instant, d'Habacuc, juste un instant. Nous voulons, voilà, vous pouvez enlever, il n'y a pas de souci. Vous pouvez enlever à nouveau. Donc nous voulons prier ensemble. Je mets juste une mélodie pour m'accompagner. Nous voulons prier ensemble pour la nation, pour que le Seigneur réponde une onction de repentance sur la nation. Depuis chez vous, joignez-vous à moi, à nous. On veut prier ensemble. Seigneur, nous voulons prier pour la nation gabonaise. Nous voulons commencer par nous repentir. Nous repentir pour l'adultère. Nous repentir pour l'infidélité. Nous voulons nous repentir, Seigneur, pour la pornographie, pour la masturbation. Nous voulons nous repentir pour l'ivrognerie. Nous voulons nous repentir parce que nous avons, Seigneur, accepté l'homosexualité dans ce pays. Nous voulons nous repentir, te demander pardon, Seigneur, parce que nous sommes prostitués à des faux Elohim. Nous sommes prostitués à la sorcellerie. Nous sommes prostitués à la franc-maçonnerie. Nous sommes prostitués à la rose-croix. Nous sommes prostitués à la politique. Seigneur, nous sommes prostitués aux esprits des eaux. Nous, Seigneur, nous avons sacrifié nos parents, nos familles pour l'argent, pour les biens de ce monde. Nous voulons nous repentir et demander pardon. Seigneur, nous sommes tous concernés en tant que Christ, en tant que chrétien, en tant que disciples du marché, nous sommes concernés par le chaos qu'il y a sur la nation. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos familles. Pardonne ton Église. Pardonne les autorités politiques. Pardonne les maires, les députés, les sénateurs. Pardonne les ministres. Pardonne le président de la République. Pardonne leurs familles. Pardonne toutes les autorités qui règnent. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous avons péché contre toi. Nous avons régné ton nom. Nous avons accepté de verser le sang pour le pouvoir, pour l'argent. Nous avons accepté, n'est-ce pas, de nous livrer à la prostitution, à l'homosexualité, à toutes sortes de vices. Aie pitié de nous, Yeshua. Seigneur, aie pitié de notre nation. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les abominations. Pardonne-nous, Yeshua. Pardonne-nous, Yeshua. Pardonne-nous pour l'homosexualité, pour le lesbianisme, pour l'ivrognerie. Pardonne-nous pour la prostitution. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre toi. La nation a péché. Nos familles ont péché. On a tous péché contre toi. Aie pitié de nous, Seigneur. Pardonne-nous. Nous voulons nous repentir en tant qu'église, nous nous repentons, Seigneur. Nous nous repentons, Seigneur. Pardonne-nous pour les abominations. Pardonne l'église. L'église est tombée. L'église a chuté. L'église n'est plus à son poste. L'église a été tombée dans la dent. L'amour de l'argent, l'église est tombée dans la prostitution, cette prostitution au faux bal, au faux Elohim. Pardonne-nous, Seigneur, ne nous juge pas, ne juge pas la nation, n'envoie pas ta colère, nous ne voulons pas de gémissements, nous ne voulons pas de lamentations, nous ne voulons pas de sang funèbre. Aie pitié du pays, aie pitié de la nation, un vent de repentance, un vent de repentance, souffle un vent de repentance, souffle un vent de repentance, au nom de Yeshua, un vent de repentance, sur le président. Un vent de repentance sur les ministres, un vent de repentance sur les députés, sur les sénateurs, sur les maires, sur les généraux, sur les capitaines, sur les lieutenants, sur l'armée, Père, sur toutes les autorités. Un vent de repentance dans nos familles, dans ton église, car on a tous péché contre toi, Père. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur.
comme avec Abraham, nous voulons intercéder. La manière qu'il a intercédé pour Sodome, nous voulons intercéder pour le pays. Seigneur, s'il y a un juste, s'il y a deux justes, ne frappez pas. Et pitié, Seigneur. Il y a tellement d'innocents dans ce pays qui n'ont rien fait, qui ne peuvent pas payer à la place de ceux qui ont vendu, qui ont sacrifié le pays. Seigneur, fais justice à la veuve, fais justice à l'orphelin, fais justice aux pauvres, fais justice aux prisonniers, aux faibles. Vois combien de fois les faibles, les plus riches oppriment les plus pauvres. Vois la veuve qui est spoliée, vois l'orphelin qui est abandonné. Vois les plantes qui sont enflammées justement. Seigneur, nous réclamons justice. Mais nous ne réclamons pas ta colère. Nous ne voulons pas de ta colère, Père. Mais nous réclamons justice. Tu es la même de justice. Fais justice. Seigneur, nous prions pour une âme nouvelle dans le pays. Pour une âme nouvelle dans la nation. Pour un vent nouveau dans le pays, Seigneur. Un vent de repentance. Et pitié de nous, Seigneur. Et pitié de nous, Seigneur, on a tous péché. Nous voulons porter le sac. Nous voulons porter la cendre. Nous voulons porter le sac et la cendre. Nous voulons pleurer. Nous voulons gémir. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, tu dis que ce qu'un homme aura semé, le moissonnera. Le gabon est de semer ta colère. Mais Seigneur, aie pitié. Aie pitié. Oui, le gabon est d'agir comme Sodome. Le gabon est d'agir comme Sodome. Mais Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Père. Aie pitié de ton Église. Aie pitié de nos familles. Aie pitié pour nos vies. Fais, nous n'avons que toi, Yeshua. Pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous. 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 Ne nous juge pas. Ne nous châtie pas. Que ta colère ne s'abatte pas sur nous. Père, nous prions pour un vent de repentance. S'il te plaît, Yeshua. S'il te plaît, Père. Tu dis si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, change ma face. Te détourne de ses mauvaises voies. Je guérirai son pays et je pardonnerai ses péchés. Guéris notre pays. La nation a besoin de guérison. Guéris la nation. Restaure la nation, Seigneur. Pardonne Yeshua. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Il n'y a que toi, Yeshua. Il n'y a que toi, Yeshua. Il n'y a que toi, Yeshua. Pardonne-nous. Pardonne-nous pour les adultères. Pardonne-nous pour la sodomie, pour l'homosexualité, pour la prostitution, pour toutes les abominations. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous parce que nous avons fait des alliances avec l'esprit des eaux. Pardonne-nous. Parce que beaucoup ont vendu leur âme au diable, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Yeshua. Envoie, Père, un vent de purification. Envoie un vent de purification. Purifie la nation. Purifie le pays. Seigneur, 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 pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, ton sang a coulé pour nos vies. Seigneur, ton sang a coulé pour nos familles. Seigneur, ton sang a coulé pour la nation. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Père. Aie pitié. Au nom de Yeshua.
Amen. Que le Seigneur soit béni pour sa grâce. Que le Seigneur vous garde. Continuons à prier pour le pays. Continuons à prier pour la nation. Que la paix du Seigneur repose sur chacun de nous. Bonne soirée à tous. Paix et grâce.